Bonjour, bienvenue sur le plateau de MEDEF TV. Un invité exceptionnel maintenant nous a rejoint sur ce plateau. Rai Souza Vieira de Oliveira, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Oliveira, je me suis trompé à la fin. Exactement. On n'a pas l'habitude de voir votre nom complet. Oui, c'est ce qu'au Brésil, les noms des familles, on prend les noms des parents, de père et de mère aussi. De mère aussi. Parfois deux de chaque. Donc ah oui, d'accord. Ça fait long. Mais normalement, pour le passeport, des choses comme ça, on utilise le dernier, c'est Oliveira. D'accord, Rai de Oliveira, donc normalement. Ok. Voilà, on vous a servi le nom complet. Évidemment, ici, on vous connaît sous le nom de Rai, vos grandes années de l'époque du PSG, l'époque où le PSG était une équipe qui ne faisait pas rire. Si, c'était il y a longtemps. Oui, c'était une bonne époque. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de résultats après. C'était des 93 à 98. Et on a eu beaucoup de titres, des très bons rapports avec les supporters. Moi, j'ai des très bons souvenirs. Et bien sûr que ça, c'est 5 ans en dehors, en plus que la partie du terrain, les résultats. J'ai eu un bon rapport aussi avec la ville de Paris, avec le pays aussi. Donc je crois qu'aujourd'hui, on me reconnaît comme un Brésilien qui s'identifie avec la France. Et même quand on pense ici au Brésil, on pense à moi. Et au Brésil, quand on pense à la France aussi. Donc c'est quelqu'un, je suis devenu un ambassadeur dans les deux sens. Un ambassadeur informel, on peut dire. Alors, dès votre retraite, c'est-à-dire en 1999, votre retraite sportive, vous avez créé une association, et on va parler principalement de cette association aujourd'hui, Gol de Letra. Vous allez nous la présenter, le but des lettres. Oui, on peut dire c'est un jeu de mots, Gol de Letra, c'est un but pour l'éducation. Mm-hmm. Donc c'est utiliser le pouvoir des mobilisations du foot, du sport, des e-sportistes. Hein. On a démarré ça avec un autre sportiste, Leonardo, qui aussi mm-hmm. a joué une saison ici à Paris. Mais le but, c'est d'avoir un centre éducatif, en fait, qui ça va au-delà du sport, éducatif, qui a des activités culturelles, activités sportives aussi, mais activités liées à lecture, écriture. Il y a un travail fort avec les familles ici. Donc on a un grand centre à Rio, un autre à São Paulo, implanté en pleine favela. Et ces centres-là forment de nouvelles générations. On a 5000 qui sont déjà passés chez nous. Forment de nouvelles générations, parce que dans ces quartiers, normalement, l'école publique n'a pas un bon niveau. Donc nous, on fait un complément aussi qui fait qu'ils ont plus d'opportunités après une fois qu'ils passent dans nos centres. D'autant plus qu'au Brésil, l'école n'a lieu que le matin, c'est ça? Oui, en fait, c'est qui est le matin ou après-midi. Donc, mm-hmm. les enfants qui étudient le matin, l'après-midi, ils viennent le matin et vice-versa. Donc, c'est demi-journée. L'autre demi-journée, ils ont 4 heures d'activité éducative par jour pendant au moins 7 ans. Et en plus, il y a des projets pour des jeunes, des formations, projets de formation pour des jeunes, formation professionnelle aussi. Donc, c'est un projet très complet, mais le but, c'est pas seulement l'enfant, les jeunes, mais aussi qui, eux, deviennent des agents des transformations sociales du quartier. Et comme à São Paulo, on est depuis 11 ans, on a des résultats extraordinaires déjà. Il y a des jeunes aujourd'hui qui gagnent plus que leurs parents. Il y a des entrepreneurs aussi. Il y a des leaders communautaires. Et ils ont fait la même chose à Rio depuis 4 ans. D'accord. Alors, comment ça vous est venu, cette envie de faire ça? Et puis surtout, tout de suite, dès la retraite. Parce que la plupart du temps, un footballeur, quand il s'arrête, il se met dans le business, il va créer sa marque ou il va devenir consultant. Vous aviez cette idée de vous investir dans l'humanitaire. Oui, j'avais déjà cette envie depuis quelques temps. Parce que, déjà, quand on est brésilien, on voit la différence, l'injustice sociale entre les pauvres. Donc, on a quand même un pays riche, mais il y a beaucoup d'injustices, plein de choses à faire dans le niveau social. Donc, l'éducation publique n'est pas au bon niveau, la santé, l'habitation. Donc, on a plein de choses encore il faut que la société participe. Donc, moi, en tant aussi. Déjà, j'avais cette envie. Une fois que j'ai eu des succès dans ma carrière, c'est une carrière qui ça m'a mis comme un homme public. Je crois que ma responsabilité, je me sentais que ça a augmenté. Et je voulais non seulement m'investir pour les causes sociales,
mais aussi avoir un projet sur le terrain pour prouver pour ceux qui j'ai, les causes que je défends, que ça marche sur le terrain. Donc, on a monté ça avec Leonardo. Aujourd'hui, il y a une grosse équipe, il y a 60 personnes qui travaillent, qui nous aident. On a une association en France aussi, des bénévoles, c'est Go de Lettres à France, qu'on appelle, qui c'est pour aider le travail qu'on fait là-bas. Donc c'était un peu ça, c'était un sujet qui me touchait. Mon père, il est venu de milieu aussi difficile, donc il m'a fait valoriser les opportunités que j'ai eues dans la vie. Et donc je voulais prouver ça sur le terrain, dans la pratique. Ça marche, aujourd'hui on a reconnu. Notre méthodologie a pris pour d'autres États du Brésil, et même en Afrique, à Guinée-Bissau, et une association qui a pris notre méthodologie pour faire la même chose en Afrique. Donc ça, c'est une démonstration qu'on a eu de succès dans cette association aussi. Alors vous allez intervenir ici aux universités d'été du MEDEF sur le thème de l'audace. L'audace, on pourrait bien sûr en parler sur un terrain de foot, mais j'ai surtout envie de parler de l'audace. Est-ce que c'est un thème sur lequel vous parlez avec ces jeunes? Est-ce que vous les encouragez à avoir de l'audace, à essayer de sortir? Je crois que moi, je ne me rendais pas compte au départ que je voulais utiliser ces pouvoirs de mobilisation, de communication du sport pour viabiliser le projet en soi. Et dans les premières années, je ne me rendais pas compte, pas exactement, l'importance d'avoir aussi un fondateur qui a eu tout un parcours, que les gens ont suivi, qui a une bonne image, qui a des exemples, des bons exemples. Et à un moment donné, les gens de l'extérieur qui disaient, en plus du travail que vous faites, je crois que les jeunes, les petits, les jeunes, ils ont une référence aussi, plutôt positive. Et ça aussi, c'est l'audace. Hein. L'audace, pour être un athlète de haut niveau, bien sûr qu'on affronte des situations très difficiles, donc il faut de l'audace pour aller au bout. Et aussi après la carrière, on est obligé d'avoir de l'audace, sinon parce que la reconversion c'est très difficile. On arrête à 35 ans, il n'y en a pas d'expérience dans d'autres domaines. Donc il faut être audace aussi pour tenter d'autres choses, pour essayer. Et moi, j'étais au départ, c'était pour un projet social. Et donc, à la fois, j'essaie de passer ces messages pour les enfants, les jeunes, pour aussi les familles du quartier difficile, mais aussi de montrer l'exemple qu'il y a un projet qui marche, aussi, qu'il a fallu avoir une démarche, entreprendre et faire que ça marche. Moi, j'ai eu même, 2 ans après qu'on a débuté, une association des parents qui se sont réunis pour monter leur association, des parents du quartier, ouais. Et ils m'ont convoqué, j'ai dit, on veut parler. J'ai dit, mais comment ça, on veut faire un autre projet ici dans le quartier, comment vous avez fait, on a peur aussi que ça ne marche pas. Donc je crois que aussi ça a marché aussi, de montrer l'exemple qu'il faut à un moment donné de l'audace aussi pour réussir ou pour prendre des risques. Tout à fait. Bien, Rai, merci beaucoup. On rappelle que cette association est effectivement une structure française et que vous pouvez obtenir tous les renseignements, les informations sur Gold Eletra en allant sur www.goldeletra.org avec un seul T à l'Etra. Rai, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. Au revoir.